Bonjour chers amis, aujourd'hui je viens vers vous parce que l'heure est sérieuse. En effet, la repentance n'est plus annoncée dans l'Église de Dieu. Or, la repentance est la solution à tout ce que nous vivons actuellement. Actuellement, le monde est sans dessus, sans dessous, beaucoup sont désorientés, beaucoup sont dans la peur, dans la phobie, parce que l'être humain, aujourd'hui, comprend sa finalité. La finalité, c'est la mort. Et beaucoup ne sont pas prêts, ils n'ont pas pensé à cette notion. Ils ont essayé de vivre, de mieux vivre. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Amos nous dit que nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Effectivement, chacun un jour va se présenter devant Dieu. Et ma question c'est, est-ce que tu es prêt? Alors je ne suis pas là pour vous écraser. Dieu a manifesté son amour. La parole de Dieu nous dit aussi, est-ce que je veux que le méchant meure? Non. Je veux qu'il change de conduite. Nous avons besoin de changer de conduite. Il y a des choses qu'on croit acceptables et qui sont inacceptables. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de changer de comportement. Nous avons besoin de venir aux pieds de Dieu et de lui demander pardon. Nous avons besoin que les choses changent. Et vous savez au plus profond de vous-même qu'il y a quelque chose qui doit changer. On vous trompe par toutes sortes de discours qui sont mensongers. On vous trompe en croyant que tout va bien, que vous êtes prêt, alors que ce n'est pas le cas. On vous explique qu'il y a des choses que vous pouvez faire, que ce n'est pas si grave. Il y a des choses que nous acceptons dans notre vie et qui ne sont pas bonnes. Et nous ne sommes pas prêts. Dieu ne veut pas vous rejeter, Dieu ne veut rejeter personne. Mais parce que ces choses ne sont pas réglées, quand nous nous approchons de Dieu, nous nous retirons nous-mêmes. Quand nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu, nous nous retirons nous-mêmes. Parce que notre souillure, le péché, ne peuvent pas cohabiter avec Dieu. Et nous avons besoin d'être sous le sang de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, ce n'est pas que vous allez avoir une vie extraordinaire, que vous aurez des choses meilleur, que Dieu va répondre à tous vos besoins au claquement de doigts. La bonne nouvelle, c'est que le problème de votre péché a été réglé à la croix. Et si vous vous sentez mal à l'aise, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas et que vous essayez d'éteindre votre conscience par toutes sortes de notions qui ne sont pas justes, venez à Dieu qui va vous pardonner, qui va vous purifier, qui va changer votre vie, qui va vous donner une nouvelle vie. C'est ça la repentance. L'important, c'est de savoir se présenter aujourd'hui devant Dieu, comme nous sommes, pour recevoir son pardon. Et quand nous recevons son pardon, nous serons prêts à cette rencontre qui va se faire quand cette vie sur la terre va s'arrêter. Alors bien sûr, la peur de la mort peut se comprendre, surtout si elle est accompagnée de souffrance. Mais si nous avons cette conviction que Dieu nous a pardonné, alors la paix va venir dans notre cœur. Vous n'avez pas la paix parce que vous n'êtes pas en règle, parce que votre vie n'est pas encore mise en règle. On vous a peut-être annoncé toutes sortes de choses. On vous a peut-être donné un certificat comme quoi tout était bon pour vous, mais vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous avez besoin de changer. Et vous taisez votre conscience parce que ça vous fait peur. Alors, si vous voulez que cette peur s'en aille, si vous voulez trouver la paix qu'il y a en Dieu, parce que vous êtes réconcilié avec Dieu, venez au pied de la croix et repentez-vous. C'est le message de l'évangile. Si vous écoutez Jean-Baptiste, il a commencé son ministère en disant « Repentez-vous ».
Jésus a commencé son ministère en disant repentez-vous. Pierre, dans Acte 2, quand il a prêché la première fois, il a dit, vous avez besoin de vous repentir. C'est ça le message de la bonne nouvelle, c'est que quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez accompli dans votre vie, si vous venez aujourd'hui auprès de Dieu et que vous vous repentez, vous recevrez le pardon. Vous serez déclaré innocent par Dieu. Il a tout fait parce qu'il veut une relation avec vous. Mais ne mettons pas Dieu comme un béni oui-oui qui va tout accepter. Ce n'est pas vrai. Dieu est amour, mais il est juste. Si nous sommes pardonnés, nous allons hériter d'une vie d'éternité extraordinaire dans sa présence. Mais si nous ne sommes pas pardonnés, si nous n'avons pas fait cette expérience de la repentance, nous serons séparés de lui pour l'éternité. C'est aussi simple que ça. C'est cru, mais c'est comme ça. Nous avons besoin de régler notre vie devant Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui même de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Parce que même par rapport à tous les événements qu'il y a dans le monde, aujourd'hui peut être notre dernier jour. Et la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne vous endurcissez pas. Ne dites pas, qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui nous annonce des catastrophes? N'endurcissez pas votre cœur. L'amour de Dieu est là pour vous toucher. Il y a une chose très importante, c'est que nous avons besoin d'être convaincus par le Saint-Esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit était venu pour convaincre le monde au sujet du péché, au sujet du jugement et au sujet de la justice. Aujourd'hui, quand on annonce la bonne nouvelle, trop souvent, c'est comme une assurance tout risque contre tout problème. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit, parce que c'est la solution, c'est la seule solution. Repentez-vous et vous serez pardonné, et vous serez purifié, et vous allez retrouver une relation avec votre Créateur. Et cette relation va vous donner la paix. Le jour où vous allez venir au pied de Jésus, en disant, je te demande pardon pour mes péchés, vous allez ressentir sa paix, vous allez ressentir comme un poids qui est enlevé de vos épaules. Et il va donner des solutions pour que votre vie change. Votre vie a besoin de changer. Il y a des choses qui sont inacceptables, même si on a dit que c'était acceptable. Pensez bien que les gens de cette société qui vous font ces discours, que votre pasteur, que tous les gens qui essayent de vous consoler, c'est pas eux qui vont se présenter devant Dieu à votre place. Et devant Dieu, vous pourrez pas dire, mais c'est à cause d'eux, c'est à cause qu'on m'a dit ça, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Ils porteront leur propre peine, mais vous porterez votre propre peine. Je dis cela pas pour vous accuser, pas pour vous blesser, pas pour vous faire peur, je vous dis ça par l'amour de Dieu, pour que vous puissiez vous repentir. Repentez-vous, vous allez trouver une vie nouvelle, vous allez être réconcilié avec Dieu et vous serez béni. Et vous sentirez cette paix vous envahir et tous les événements de ce monde qui vous entoure ne créeront plus cette phobie. Je termine avec cette parole de Jésus qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos, je donnerai du repos à votre âme. Vous désirez trouver le repos, venez au pied de la croix, confessez votre péché, et vous recevrez le repos de Dieu. Soyez bénis, nous prions ensemble. Seigneur, merci de toucher ceux qui ont écouté cette petite capsule, qu'ils soient amenés au pied de la croix, à la repentance et qu'ils trouvent le chemin de la paix et de cette relation avec toi. Je te le demande au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci d'accompagner ces quelques minutes de conversation, de ta conviction, afin que
qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus. Amen.